Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des lamas. Donc je vais vous donner une astuce pour obtenir des lamas plus facilement et plus régulièrement si jamais vous êtes un fan de lamas, ce qui est un avantage énorme quand vous ramassez un lama. Vous avez 500 de matériaux de chaque matériau, de chaque type de matériau, alors vous imaginez en solo, vous êtes refait quoi, direct. Alors il faut savoir aussi que vous avez des munitions, des pièges, un objet à usage unique, donc sûrement du soin, du shield ou quoi. Et regardez sur l'écran, je découvre un lama justement à cet endroit-là. Et en fait, tout simplement, maintenant je vais vous afficher à l'image une carte qu'un utilisateur de Reddit qui s'appelle Overwatch Shero 4 a récolté un énorme tas de données pour savoir où tout simplement les lamas spawnaient le plus souvent. Et là, vous pouvez remarquer que sur la carte, les zones rouges, c'est là où ils spawnent le plus. Orange, un peu moins. Le jaune, un peu moins. Le vert, un peu moins. Et le bleu, spawn jamais, quoi. Donc, si vous allez là-bas, vous ne trouverez jamais de lama. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai deux objets consommables. Même plus, hein. J'avais eu deux grosses popos, plus un kit de soins et plus des munitions et tout ça. Donc maintenant, regardez sur la map. Où est-ce que je suis sur la map? C'est exactement sur le ruisseau et c'est une zone orange. Je l'ai trouvé dans une zone orange. Et c'est tout près du ruisseau qui est en zone rouge. Donc voilà, c'est une petite information que je me suis dit que j'allais vous présenter parce que ça peut sûrement intéresser beaucoup de personnes. Si vous arrivez à étudier, de toute façon, en plus, la map, elle est facile à étudier. Hein. Vous suivez le ruisseau. Le ruisseau, c'est là où il y a le plus de lamas possible. Alors, il y a deux petites zones supplémentaires là qui se trouvent, je sais plus, attends, c'est à Untold Hills, voilà, je sais pas trop comment ça se dit, et à Mostimir, voilà, c'est deux endroits séparés de la map, enfin à l'opposé, que là aussi il y a des spawns assez régulièrement, et il y a aussi un entre Willingwood et Retiro, mais ça c'est encore, c'est orange clair quoi, donc c'est un peu moins souvent. Donc tous les autres endroits, c'est une chance sur très très peu d'en trouver. Il faut savoir aussi qu'il y a que 3 lamas qui spawnent par map, donc voilà, c'est pas énorme. Donc si vous voulez vraiment augmenter les chances de trouver un lama, suivez le ruisseau et vous allez peut-être tomber sur une partie sur 3 sur un lama. Vous serez content s'il n'a pas été loot avant, hein, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite information news vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.